Et à tous, c'est Thomas Santa Tessie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Cobblemon. Bonjour Cyril. Bonjour. Ah, il a pas fait le bonjour moi, je suis déçu. Mais bonjour voilà. Moi, oui, oui. Voilà, super, allez hop. Du coup, vas-y, c'est toi qui as prévu ce qui a été prévu aujourd'hui, donc vas-y, let's go, je te laisse faire. Eh bien, allez hop, 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 hop. Quoi, c'est Pokémon ? Commence par la mise à jour. Ah oui, c'est vrai, attends, attends, on a fait quoi ? Ah oui, attends, attends, oui. Alors. Au secours. Tiens. Ah oui, donne-moi une émeraude. Merci. Oh, ça fait dingue. Ouais, allez, ce marchand là qui vend des trucs là, c'est cool. Oui. Et si on fait un tour avec une émeraude dessus. Oh, il se passe des Ah non, mais il y a des boutons par-dessus à droite là. Il y a des boutons par-dessus à droite, effectivement, c'est terrible. Si je veux acheter par exemple 20 émeraudes là, ça coûte 2000. Hop. J'ai acheté 20 émeraudes toi. Ah, oh, trop bien. Et tu peux vendre une émeraude. Ouais, faut les mettre là-dedans là. Et du coup, ça coûte 100 balles et. Acheter une émeraude, ça coûte 100 balles. Voilà, c'est littéralement le banquier qui te fait ton échange quand tu pars à l'étranger et que c'est pas la même monnaie, tu sais. Après, j'en ai un stack. Moi je... Ah oui, d'accord, carrément. En fait, c'est pas si cher. Ouais, carrément. Faudrait peut-être ouais, ajouter un zéro non, éventuellement. Genre 500, je pense que c'est mieux. Ouais, 500, c'est pas mal aussi. C'est vrai, mais c'est pas bête. Coup, Mais du coup, ouais, toujours garder une émeraude dans son inventaire maintenant. Et du coup, après, si on fait un marchandeur, un marchandage, merchandising. Ah oui, c'était pour ça qu'on voulait... Bah attends, non, Thomas. Oh non, il a des pops. On l'avait pas renommé, je crois. Ouais. Bah tant pis, ce sera au prochain qui arrive. Oh, quel enfer. Bon, du coup... C'est pas forcément, parce qu'ils sont pas forcément un trail de cheat comme ça. C'est coup, vrai. Apothéosis, le mode de l'autre fois, là, de la table d'enchant. Je suis un connard, j'ai fait roue de feu sur un Ponyta. Attends. Parce que, bah, apparemment, tu m'écoutes pas, du coup. Si, si, je t'écoute, Apothéosis. Alors, il fait pas que ça. De quoi, la mise à jour ? Non, Apothéosis, mais tu... Ah, mais je t'écoute à moitié, tu le sais. Il fait aussi les gemmes et les reforges sur les armures et les armes et tout. Bon, ah je savais pas reforges. Intéressant. Glacial, épée en diamant, of the duelist. C'est pas sorti en français, mais... The fuck. Alors, effectivement, pour, il fait ça. Les reforges et tout, faut... Il y a des crafts à faire, il y a des stations à faire. Mais le matériau principal, c'est la gemme d'œufs. Et pour ça, faut nous faire lancer des gemmes qu'on peut récupérer sur des mobs. La gemme d'œufs. Gemme d'œufs. Ah, gemme d'œufs. Regarde, faut les jeter. Ouais. Tu fais tomber une encoule dessus. Ça crée de la dust, gel dust. Ah, trop marrant ce système. Ouais, c'est ça. Faut crafter les stations de gem putting table. Ah, faut peut-être augmenter la salle, éventuellement. Si on augmente par là, ah on est mort. J'ai oublié. Mais c'est pas elle que je vais utiliser. Je comprends le problème. Non mais au pire... Ouais, on dit que c'est... Allez, hop. Voilà, on part ici. Alors attends, parce que du coup, ça, on va peut-être le déplacer. Genre... Il y a des mobs. Je le mets au-dessus ici, voilà, parfait. Bien joué, mec. Et du coup, ici, faudra qu'on build un petit coup des trucs un peu sympas par là. Alors, il faut un saut de lave. Il y a de la lave quelque part ? Non. Dans les heures. Il y a de la lave dans les heures. Non. Oui, d'ailleurs... On est en distance à 8 parce qu'il fait son chaud. J'ai tout compris, t'es pas un robot. T'inquiète. Putain, on dirait Fanta quand il faisait des vidéos avec Bob et qu'il était à la réunion et du coup ça laguait tout le temps parce qu'il y avait pas la fibre là-bas. Ça veut rien dire ce que je raconte. Comment ça ? Je suis parfaitement jeune, d'accord ? Viens ici. Je vais dire, mais tout, je suis bilingue ou quoi ? Bah alors, monsieur Hill, on est bilingue ? Je sais pas. C'est vrai ça! Tu vois, c'est. Oh oui, c'est plus grand que. Je sais plus. Ce truc là. Gem cutting, c'est ça, ok. Et ça, le salvage. Ouais. À base, j'ai fait exprès à Home de garder tous les trucs avec des reforges qui ne servaient à rien. Prends-en quelques-uns qui servent à rien. Voilà. Ok, bon, j'ai tout pris. J'ai retour. Tu peux salvage tout plein de trucs? Et ça donne des ressources de rareté. La reforging table, on peut pas la craft parce que ça coûte un lagon de netherite. Ah mais il y a une simple reforging table en fait. Bah essaye plutôt la simple. Je vais faire la simple pour l'instant. Parce que si on... Enfin, ouais, on a pas de netherite. C'est vrai qu'on n'est pas du tout allé en chercher en fait. Du coup là tu fais quoi? Je fais de la gemme d'host. Salvage des gemmes. Pour crafter la reforging table. D'accord.
faut qu'on aille chercher de la netherite aussi. Je crois qu'il faut de... La table d'enchant aussi. Quoi? Comment ça, monsieur? Ok. Tiens, je te passe quelques gemmes d'ost. Oui. Prends un item qui est pas reforgé que tu utilises, par exemple, je vais prendre ma pioche Sigdunk. Non, ma pioche fortune. Je vais prendre ma... Mon épée butin. Ok, tu la mets dans le slot en haut. Ouais. À droite, tu mets tes gemmes d'ost. Ouais. Et tu vois tes matériaux de rareté? Ouais. T'as quoi au mieux, par exemple? J'ai rare. Alors j'ai common, uncommon et rare. Ok. Et bah, tu peux mettre ce que tu veux dedans, en fait. Ah, mais c'est lié, c'est pas lié. Enfin, c'est ok. Ça, par exemple. Tu vois? Ah oui, d'accord, ok. Et du coup? Ouais, parce que ça doit fonctionner comme la table d'enchant, en fait. Ouais, ouais. Enfin, non. Et tu vois que tu peux prendre des reforges à droite. Ouais. Illusive. Infernal épée en diamant of évasion. Oh, on block break, gain celerity 10 secondes. Si stool breaks, il est 1 par 3 area. Regarde, regarde. Ah non, 1 par 3. Ah oui. D'accord, en fait, tu mines en colonne. Ouais. Très utile quand on a le Ven Mine. Est-ce que t'as une pièce d'armure ou quoi que ce soit avec Socketed? Non mais Socketed en jaune là, écrit en jaune, t'as pas? En jaune? Non, j'ai pas de jaune. Et si, sur ta pêche que tu viens de refaire ton épée. Ah, Socketed 1, oui, pardon, ah. Oui, d'accord. Voilà. Ok, et sur mon épée, Socketed 2. Tellement de trucs en fait là. Non mais je me suis TP au même endroit où j'étais, au secours. Oui. Tu vois les cristaux? Ouais. C'est ça, tu peux mettre dans Socketed, dans les Socketed, dans les sockets en fait. Il y a des trucs qui font plus 1,75 de points d'attaque. Bah là, c'est... Ah oui. C'est... Heavy Weapon, plus 2,75. Non, Light, du coup. Bah du coup, là, c'est Light. Je sais pas, okay. Si c'est Heavy ou Light. Parce que... Sûr que c'est dans l'enclume? Bah, il me semble que c'est dans l'enclume, non? Ah mais parce que ça va qu'avec Heavy... Bah non. Non, ça marche pas. Il doit y avoir une enclume spécifique, non? Ouais... Que ça me paraît bizarre. Enclume, can be enchanted, d'accord. Attends. Internet. J'invoque la carte Internet. Ah, c'est la Smithing Table, ok. Mot mauvais. Et ça donne les bonus, et tu vois, un petit stylé, je trouve. Ah oui, en plus, tu vois les petites. Ah oui, d'accord, ouais, c'est très stylé en vrai. Et bah, je crois qu'on a carrément fini cette partie déjà, hein. C'était l'objectif du jour, on a montré la nouvelle mise à jour, on a fait Apothéosis. Donc je pense que là on est plutôt pas trop mal pour le champion. Je veux passer au-dessus de l'arène avec tu sais exactement quoi. Oui. Parce qu'il est pas au courant le champion qu'on a ça. À moins qu'il suive les vidéos, mais... Ah, je te vois. Je te vois. Là, oui. Non mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Va jusqu'au bout. Putain. Secours. Bah oui, non, c'est pas comme... C'est pas le vaisseau spatial de Sensro, non. Oula. Sinon, est-ce que le champion d'arène nous voit d'ici? Peut se démute, le champion d'arène, si jamais. Bonjour, oui. C'est... Bonjour. Oui, il y a des avions. Bienvenue dans nos avions de Cobblemon. Incroyable. Vous m'avez fait peur, je croyais que vous alliez arriver avec un légendaire volant, mais... Non, les Pokémon tueurs n'existent pas encore, c'est pour ça qu'on a mis ce mode. Z pour descendre. Non, pour descendre. Ah, c'est la même que pour descendre des Pokémon. Non. Oui. Non. Pourquoi je veux tout le temps tuer des Pokémon, moi, dans cette série? Qui c'est qui va en premier? J'y vais en premier ou bien? Bon bah vas-y. Ok. Tout est prêt? Oh mais oui, il est trop fort Karchakrok. C'est quoi cette quantité de coups critiques? C'est un coup critique, ça? Ouais, ça fait 2 coups critiques que tu fais. Bah bravo, moi. Coup critique. Encore un coup critique? Non, mais, je t'en fous. T'as encore fait un coup critique? Non mais... J'ai gagné? Alors oui, et t'as fait 4 coups critiques sur toutes tes dracocharges. Attends, quoi? Mais c'est fini? Ouais, parce qu'il a fait des coups critiques sur toutes ses dracocharges, du coup bah... Mais... Ah, les fameuses tactiques. Est-ce que vous êtes prêts?
Monsieur champion d'arène. Si tu fais des coups critiques, ce sera aussi expéditif qu'avec Siri. Ouais, t'inquiète. Il a pas la même chance que moi. Et bah, let's go. Du coup, fais voir là, qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. Oh, quel con, j'ai oublié de soigner mon équipe. Tu veux qu'on recommence peut-être? Non, c'est bon. My bad. Tant pis. Et de toute façon, j'ai personne qui avait des dégâts, c'est juste j'ai pas. Enfin, il y a, des... y a une attaque sur laquelle j'ai pas de PP quoi. Alors, c'est une question. Qu'est-ce que. D'accord, c'était super efficace, très bien. Forcément. Très belle écoute... animation, Lucas, pour le. Oui, forcément. Ah, mais encore un coup critique! Non, mais vous vous fichez de moi. C'est pas possible. Alors. En vrai, si on fait un coup critique à chaque Draco charge, il y a peut-être un bug. Non, mais peut-être pas. Non, il n'y a pas eu de coup critique. Ah, il n'y a pas eu de coup critique là. Effectivement. Non. Ah! Alors, Kershakrog prend x4 aux attaques glace. Voilà. Ouais, bah ça, oui. Ouais. Je me doute. Et en plus, j'ai fait un coup critique. C'est vrai, j'avais complètement oublié ça, moi. Et j'ai fait surtout une danse Draco avant. Ok, petit point éclair qui est passé. Trioxydre, le fameux qui marche pas. Exactement. Alors, j'ai essayé ça, mais... C'est pas très efficace. Ce sont des choses qui arrivent. Hi Dodo. Oui. Ok. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, immunisé à des vos rêves, d'accord, je comprends mieux. Les dragons ténèbres. D'accord. Et des vos rêves, c'est pas psy? Ah, mais de toute façon, que ce soit psy ou spectre, ça ne marche pas sur le ténèbre. Non, des vos rêves, c'est spectre? Non, je crois pas. J'ai vu. Bon, bah du coup, le plan n'a pas marché. Ce sont des choses qui arrivent. Roue de feu, au moins ça marche. Dracolos, bonjour. Ok. Oh, comment ça? Il a attaque atterrissage. Ah, atterrissage, mais du coup tu perds ton type vol pour ce tour-ci. Ok. Pas. Ça m'a l'air un peu foireux là. Exagide. Je sais même pas ce que c'est comme Pokémon. Je connais même pas. T'as eu la trouille. C'est pour ça que t'as pas attaqué pendant un moment. Attends, mais pourquoi il s'est régène? J'ai pas compris. Aucune idée. Alors là, j'ai pas compris. Ok, donc y a pas que moi qui est fou. Très bien. Non. Bon, cascade, c'était peut-être un peu nul. Ok. Il reste du coup Draco Feu. Par contre, pour quelle raison mes Pokémon perdent de la vie? Est-ce que t'as mis un truc? J'ai mis un piège de roc tour 1. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que tous tes Pokémon perdent de la vie à chaque fois que tu les fais venir sur le terrain. J'ai hésité à mettre des bottes pour les pièges de roc.
Bon, bah y'a que Léviator qui a eu des qui a eu de l'XP. Ah, t'as gagné? Ouais, j'ai gagné. Ah bah j'ai le fameux bug. Oh, les Bunny Hopper du coup. Incroyable. Et le badge Akarui. Et qui, honnêtement, c'est peut-être l'un des plus stylés qu'on ait. En vrai. Le dragon là, il est ultra classe. Alors du coup, une pierre ou un croc de dragon, intéressant. Deux super bonbons et des Bunny Hopper du coup. Alors attends, est-ce qu'on claim le badge? Ah bah oui, je t'ai attendu. Ah, oh, il m'a attendu. Attention, attention, attention. Normal badge. Incroyable. C'est quoi, c'est Y déjà? Ah oui, c'est Y. Ouais. Alors, fais voir tout en bas. Activer. Augmente une stat au choix du premier Pokémon dans l'équipe. Work in progress. Oui, c'est vrai que c'est work in progress, donc ce sera fait pour la prochaine fois. Par contre, le normal badge chez moi fonctionne. Donc on a 10% de bonus au taux de capture. Dans les prochains épisodes, on vous montrera comment fonctionne le normal badge à Karui. D'ailleurs, il faudra qu'on pense à un moyen de faire en sorte que les gens puissent aussi avoir les badges qu'on a. C'est les badges d'arène. Oui, petit easter egg. Tu peux en faire un qui s'obtient que d'une façon ultra chiante ou qu'on se give. Faut tuer 10 000 shiny d'affilée. Voilà, c'est le badge shiny. Allez hop. Allez, adjugé vendu, il donne un effet de ouf. Tu captures tout ce que tu trouves, automatiquement. Tous les Pokémon 10 blocs autour de toi, ils sont envoyés dans le PC. Heureusement que tu peux le désactiver. Hein. Après, si tu croises un légendaire, hop. Voilà, c'est gagné. Et bah, c'est la fin de cette vidéo. Donc, merci à vous deux d'avoir été là pour cet épisode. Merci à Karui, du coup, pour ton petit caméo. Merci de m'avoir invité. Mais de rien. Et promis, la prochaine fois, je fais une vraie équipe strat. Bah, d'ici là, on aura au moins la 1.4 qui sera passée, Cobblemon. Donc, il y aura déjà potentiellement beaucoup plus de Pokémon que tu voulais dans ton équipe qui seront disponibles. Je crois d'ailleurs que Trioxydre fait partie de la 1.4, ou en tout cas sera terminé en 1.4. Je crois que j'ai vu les skins sur le serveur Cobblemon. Voilà, donc si jamais... Donc si ça vous intéresse de jouer avec les badges, bah vous savez quoi faire. Le lien du mode est en description, pareil pour Cobble Dollar, dont on vous a montré le petit ajout qu'on a fait avec la possibilité de transformer des émeraudes en argent et de l'argent en émeraude. Tout simplement, pour que ça puisse aussi, pour que ça ait un autre intérêt que juste le shop du mec, quoi, tout simplement. Oui. Comme ça, c'est plutôt intéressant. Bref. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un pouce bleu, bien évidemment je vous mets en description du coup comme d'habitude la chaîne de Armex mais également la chaîne de Akarui si jamais vous voulez aller faire un tour, des petits let's play par-ci par-là, peut-être d'autres choses dans le futur, à toi de me dire. C'est en cours. Voilà, donc il y aura pas mal de petites choses, oui si instant gaming, de quoi nous soutenir. Si jamais, quand vous voyez cette vidéo, je suis en vacances, donc il n'y aura pas forcément de retour dans les commentaires au début de la sortie de cet épisode. Bref, merci à tous, ciao tout le monde. Allez, salut. Zou. Oh mon dieu, ça fait des dabs. J'ai toujours pas remis les raccourcis, sérieux. C'est terrible. Allez, zou. Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make